prison. Captif, ça veut dire limité. Un captif, c'est une personne qui ne peut pas franchir une limite. Un captif, c'est une personne qui souhaite faire certaines choses, mais qui n'arrive pas à les faire parce qu'il y a une chaîne, il y a un lien, il y a une prison qui le limite. Un captif, c'est une personne qui est limitée. Quand vous êtes captif, il y a comme une limitation dans votre vie. Limitation financière, limitation sociale, limitation dans ta santé. Le Seigneur parle ici à ses enfants. Il dit, il y a un environnement, il y a un domaine dans lequel tu es comme dans une prison. Dans ton corps physique, tu souhaiterais pouvoir sauter, tu souhaiterais pouvoir courir, mais attention, dès que tu as tes menstrues, tu as tes règles, tu ne peux plus travailler. Tu es emprisonné dans les règles douloureuses. Tu es emprisonné, tu es captif par ta limitation financière. Tu voulais acheter des motos pour parcourir les villes et les villages, mais tu n'as pas les ressources et tu es limité. Tu es captif de tes finances. Tu es captif de la région dans laquelle tu te trouves. Tu es captif et tu n'arrives pas à passer une certaine frontière. Pourtant, tu crois en Dieu. Pourtant, tu élèves Dieu. Écoutez, je suis en train de vous expliquer, frères et sœurs, comment un chrétien sort d'une zone de limitation pour passer dans une zone illimitée. Que Dieu fasse que ta vie sorte de la captivité pour rentrer dans l'illimitation. Que tu ne sois plus captif de tes limites financières. Que tu ne sois plus captive de tes limites spirituelles. Que tu ne sois plus captif de toute forme de limitation qui persiste dans ta vie. Quand vous êtes captif, vous avez des rêves que vous n'arrivez pas à réaliser. Je vais mourir comme ça. Oh. Moi, il y en a qui sont faits pour réussir, d'autres sont faits pour rester pauvres. Non. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Dieu n'a pas créé la limitation. La limitation vient des ténèbres. La limitation vient du diable. La limitation ne vient pas de Dieu. Je te regarde et je prophétise sur ta vie. Tu vas passer cette limitation. Tu vas passer la limitation. Dans le nom de Jésus. 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 Déclare avec moi. Je sors de la captivité. Je sors de la captivité. Je sors de la captivité. Je réalise ce que Dieu a prévu que je réalise. J'accomplis ce que Dieu a prévu que j'accomplisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors tu vas commencer à croire dans ton cœur. Tu vas regarder tes limitations. Là où tu es coincé, là où tu es bloqué. Et tu vas commencer à prier. Et tu vas voir que tes limites là vont tomber. Tu les vois, il faut les faire tomber dans ta tête. Faut les faire tomber dans ta tête. Faut les faire tomber dans ta tête. Faut voir Jésus qui t'amène à passer la limite. Vois le Saint-Esprit qui te prend et qui t'amène à passer cette limitation. Élève la voix, parle, parle. Redabrada sorobaralake rakatarianta rababababache shobra yamadaso robakatala babrianta rababradase rodabradas lorianda bradasele mababa. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Amen.